Est-ce que ça va jamais arriver pendant que l'église, ou du moins pendant que vous attendez un service sur les réseaux sociaux, et puis vous attendez à prier en langue, à poser des questions, qui ça va gagner? Qui vérité qui gagne dans prier en langue? Qui vérité qui gagne dans prier en esprit? Est-ce que c'est un bagage que la Bible même l'y accepte? Et s'il accepte, dans quelles circonstances on est capable de prier en langue ou du moins prier en esprit? Eh bien, c'est autour de thème ça que nous venons parler ensemble aujourd'hui. Prier en langue. Mais il faut qu'on ait que depuis accepter Jésus, depuis où né de nouveau, depuis recevoir le baptême du Saint-Esprit. À noter que moi dit le baptême du Saint-Esprit, moi pas dit le baptême d'eau, parce qu'il y a une différence entre le baptême du Saint-Esprit et le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est le cœur baptisé, plongé dans l'eau, etc. Mais depuis recevoir le baptême du Saint-Esprit, ou automatiquement éligible pour parler ou du moins pour prier en d'autres langues. Si moi dis que depuis seulement recevoir le baptême du Saint-Esprit ou éligible pour parler ou du moins pour prier en langue ou du moins pour prier en esprit. Kounia, c'est comment ou capable de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il y a plusieurs versets qui montrent nous comment nous capable recevoir le baptême du Saint-Esprit. Mais en gardant ce même à 10 versets 44 et 46. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Verset 46, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Dans Acte 19, verset 2, il parle nous que c'est vrai que nous partie dans le monde qui était arrivé par la langue, leur ont reçu le baptême du Saint-Esprit, mais nous partie tout qui pas arrivé par la langue. Et Paul était obligé d'imposer même sous monde ça yo, sous disciple ça yo, et automatiquement il a commencé à prier en d'autres langues. Comment on est capable de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Et j'aime te dire tout à l'heure, on pas besoin de baptiser, on pas besoin de baptiser d'eau. D'abord, on est capable de recevoir le baptême du Saint-Esprit. On est capable de recevoir le baptême du Saint-Esprit hein? Pendant que on va prier. Dans une consécration avec mon Dieu pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Comme ça, tout, vous devez recevoir par imposition des mains. Et vous devez prier et puis vous devez poser mes sous, soit pasteur, soit de l'évangile, soit poser mes sous pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et puis tout, on est capable de prier pendant que vous avez prié, puis vous devez attendre des mains pour capable de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Forme de plusieurs façons capables de recevoir baptême du Saint-Esprit, sans qu'il pas nécessairement pour baptiser d'abord. Prier en langue, ou du moins prier en esprit, c'est un bon bagage. Mais malheureusement, il y a un pile monde qui utilise le mal, et il y a un monde qui a tendance à banaliser ça, mais on a prié en langue, il y a tendance à passer le monde ça dans l'invisible, il y a tendance que le monde ça a dit. On pas qu'il y a un bon bagage. Sans importance. Moi, je tape garder sur les réseaux sociaux, soit disant un pasteur, du moins un évangéliste, du moins un prophète, qui a banalisé le fait que quelle église, que pasteur l'église a du moins a dirigé à parler en d'autres langues, à parler en espagnol, à banaliser ça. Pas bien, soit disant un pasteur, qui l'église qui a prêché sur ça, et puis il y a tendance à banaliser ça. Mais pour me sincère ensemble avec vous, il y a des gens qui mal utilisé parler en d'autres langues, il y a des gens qui très très mal utilisé, il y a des gens qui fait ça dans le moment qu'il pas de faire ça. C'est vrai que pas un moment spécifique qu'on a fait ça, mais quand on fait ça, hey, on pourrait que vous dérangez moi. On pourrait que vous dérangez moi automatiquement. Peut-être que même ça m'a dit là ou quand vivre qu'on vive lui ou qu'on suive ça, mais comme ça tout gen moun wè k'ap prier en d'autres langues, gen moun k'ap prier en esprit, ça pas déranger, au contraire, ou senti que ou nan prière, ou senti que gon bagay k'ap traverse ou. Gen moun tout qui utilise le bien, mais yo
fait des ordres. C'est vrai que vous utilisez le bien, mais vous faites des ordres. Soit que vous prenez l'assemblée pour vous, autant de voix. Mais vous êtes. C'est seulement voix, autant de vous empêchez ou même qui côté vous concentré. C'est vrai qu'il a bien utilisé le bien, mais vous laissez vous aller. Pendant que vous avez contrôle, vous avez prié en d'autres langues. C'est vrai que vous n'avez pas contrôle, ça qui a sorti dans la bouche, ça qui a dit. Mais vous avez contrôle ou même. Connaît goto capable baisser voir goto capable monter voir et si goto monter voir ça pas de déranger l'autre monde. OK, ou les pour capable prier en d'autres langues. Donc c'est n'importe côté, n'importe circonstance, ça va dépendre de vous-même, de sensation, de feeling que vous trouvez. Mais toujours pour pas déranger l'autre monde, on fait ça et ça qui est important. Mais ça son conseil, on va faire au point dans position qu'on va faire là, on pas déranger l'autre. Mais vous êtes capable de prier en langue côté rien, n'importe circonstance, dans n'importe cas. Prier en langue semble typiquement avec Léon, petit bébé à apprendre à parler. Par exemple, votre bébé a dit Yamatata ya kasakata ya pata ya mala machatata ya maba. Ok, petit bébé a cherché comme s'il a. Elle a essayé de parler. Yatata yata ya kasakata ya. Laissez un grand moment pour essayer de prier en langue aujourd'hui. Commencez à remercier mon Dieu pour promettre ça. Mon Dieu, je glorifie le nom et je remercie parce que nous sommes capables de prier en langue. Là que nous connaissons que c'est volonté et nous finissons par réaliser prier en langue n'est pas faite seulement pour les disciples, mais elle est faite pour nous. Nous sommes capables de prier par la foi. Merci parce que vous pouvez remplir nous avec Saint-Esprit pour vous. Saint-Esprit vient habiter dans nous. Vous m'avez commencé à libérer de corps. Ou même capitaine de moi. Vous m'avez commencé à libérer de l'esprit pour capable de prendre dimension et de saisir comment vous avez commencé en mesure pour prier en langue. Bratakaya machekeya maranta shakara mahala mekaya machala yele. Fini, ma foi qu'on est que parler en langue c'est un bagage Satan pas vrai ça parce que il n'est pas en mesure pour comprendre ça que vous dites. C'est seulement bon Dieu qui connaît qui ça commence à travers cet esprit. Donc c'est une raison qui fait que nous devons battre pour nous travailler sur ça pour nous capable de parler en langue. Et vous saisir, vous êtes capable de parler 30 secondes à parler en langue, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Et il y a des gens même qui passent 30 minutes, une heure de temps et deux heures de temps à parler en langue. Une moyen, une bagarre qui est d'autre, tout le monde prier, ou pas de parole pour dire dans la langue maternelle. Automatiquement, commencer à parler en langue, ou bien en pile parole, et ou en mesure pour prier longtemps. Le monde parler en langue, ou prier en esprit. C'est pas tout côté où est que il a pris en langue pour dire que c'est l'esprit bon Dieu qui l'a. Quel de côté tout, c'est mauvais esprit qui l'a. Toujours demander bon Dieu pour les deux, pour le montrer ou pour qu'a fait décantation ça sans problème.